Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu pour la semaine du 28 février au 6 mars. Première semaine de mars, Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, pour vous, sur les dos de deck, déjà, on vous conseille que si vous êtes dans la peine, attristé, un peu perdu dans votre quotidien ou dans vos pensées, on vous dit que les sons, la musique vous fera du bien. La musique, le chant, peut-être des fréquences, des musiques de fréquence sur YouTube, 432 MHz ou d'autres qui peuvent vous apaiser, soulager une peine qui n'est pas forcément, n'a pas forcément de raison. C'est peut-être une peine, que quelque chose qui remonte en vous par période. Voilà, une espèce de quelque chose qui vous angoisse un peu, mais qui n'a pas un réel déclencheur en fait. Bon, autrement, vous avez l'impératrice sur le dos de deck pour cette semaine, donc on vous dit que vous avez la force, le courage d'agir cette semaine, de mener à bien vos actions, que vous avez un pouvoir créateur, que vous pouvez aussi avoir des idées créatrices, avoir l'élan, un élan bâtisseur en fait. Hein. L'impératrice, c'est une figure qui est assise, qui a une posture, qui a une présence, qui a une prestance. Vous avez les moyens de protéger vos actions, vos activités, de protéger vos proches également, les vôtres. Ça donne quand même beaucoup d'amour et d'instinct maternel ici. Donc on est parti pour vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez ici la Reine d'épée, la Tempérance, les amoureux et le Hiérophante. Représente le pape. Donc on peut parler d'officialisation de quelque chose ici, d'officialisation dans une relation. C'est aussi le guide. Vous avez des décisions à prendre probablement cette semaine. Vous essayez de mettre dans la froideur, dans votre réflexion. Peut-être que vous devez faire abstraction de sentiments pour prendre une décision. Et vous aurez à peser le pour et le contre. Le pour et le contre. Vous avez quand même deux fois le guide ici qui entoure cette décision ou qui entoure également une relation, un partenariat, un couple. Peut-être qu'il est demandé ici de mettre un peu de rondeur dans vos réflexions, dans vos paroles aussi peut-être. Parce que la Reine d'épée est une personne, un personnage qui sait parfaitement bien réfléchir, qui est très analytique. Qui peut percevoir même des choses que d'autres personnes ne perçoivent pas, pardon. Mais par cette réflexion métallique, elle peut manquer un peu de sentimentalité, de rondeur dans ses paroles, peut-être un peu acérée si vous voulez. Et là, avec la Tempérance, on peut vous demander de réfléchir, mais surtout de parler, de communiquer avec plus d'équilibre, plus d'harmonie. Je pense que vous y arrivez parce qu'on a le guide, les hiérophantes, à la fin du tirage, qui apporte la célébration de quelque chose, la reconnaissance de quelque chose également. Donc, je pense que vous arrivez à prendre les décisions qui sont justes, qui sont... en lien avec votre avancée spirituelle aussi, hein, parce que là encore, ce sont deux cartes qui sont très rapprochées au spirituel, à la religion pour certains. Donc, on peut parler d'officialisation, on peut parler de réussir à faire un travail sur soi pour s'élever spirituellement, pour se débarrasser peut-être
de traits de caractère qui sont un peu rigides, ça peut être l'autre qui vous aide à faire ce travail sur vous ou à être plus souple. Okay. Donc il y a une grande avancée au niveau du couple. Il y a une avancée sur une prise de décision que vous avez à faire, à effectuer cette semaine. Vous avez la possibilité de cheminer, hein, de gravir des étapes. Oui, de gravir un palier, si vous voulez. Donc ça peut être dans la relation, ou ça peut être le fait que vous ayez cette décision à prendre qui vous fasse passer une étape. Oui, vous faites un travail sur vous pour réussir à doser, peut-être donc quelque chose dans votre trait de caractère. Pour certains, vous arrivez à mieux doser une situation qui vous paraissait complexe et totalement fermée, et vous arrivez à trouver des solutions. Je pense que vous élargissez votre champ de vision aussi. Vous êtes moins dans un couloir, hein, vous voyez plus large. Donc, on dit que vos démarches et vos avancées, vos choix seront déterminants cette semaine. Vous avez quand même trois arcanes majeures, hein, donc ça veut dire que les décisions ou les investissements ou les engagements que vous prenez cette semaine ont une portée à long terme et ont une portée qui a du poids sur votre quotidien, sur votre vie. Donc on peut parler, comme j'ai dit, d'officialisation. Il est question d'aller plus loin dans un couple et dans une relation. Il peut y avoir une demande en mariage ou une préparation de mariage. L'enseignant, le pape est aussi un enseignant. Donc, oui, donc je pense que l'autre dans votre relation, dans votre couple ou dans votre collaboration, l'autre peut vous. Prenez essence de ce que l'autre vous renvoie. Hein, s'il vous dit quelque chose, ne le prenez pas comme une critique. Travaillez sur le point de vue de l'autre. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Travaillez sur le point de vue de l'autre. Ne rejetez pas, ne dites pas non par principe pour ensuite y réfléchir. C'est blessant d'abord. Et ça peut vous permettre de. Il y a des éclairages dans ce que vous dit votre autre ou les autres. Donc vous aurez des soutiens cette semaine, hein, pour progresser, pour évoluer, pour prendre des décisions, pour temporiser une situation, pour rééquilibrer une situation. Ça peut être aussi, là ça parle plutôt de sentimental et d'officialisation, mais ça peut être aussi pour moi quelque chose dans le domaine financier à équilibrer, à calibrer. Peut-être qu'il peut y avoir un désaccord avec votre autre dans le domaine financier. Mais dans ce cas, vous trouverez les solutions, la ligne médiane, si vous voulez, pour équilibrer la situation, pour trouver un juste milieu. Pour certains, vous pourriez passer par un banquier ou un notaire. Un avocat pour certains, mais même s'il s'agit d'avocat, si on parle de fin de relation, par exemple, un divorce, une séparation, c'est quelque chose où vous arrivez à trouver un juste équilibre. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une séparation. Les papiers que vous aurez engagés cette semaine, si c'est dans ce sens de séparation, alors peuvent être douloureux, mais en tout cas, du côté pragmatique, vous trouvez une solution et vous arriverez à ce que tout le monde y trouve son compte, si vous voulez. Vous avez besoin de vous évader, hein, personnellement, fuir une situation, pas fuir une situation, mais besoin de clore, de clôturer ou de terminer une situation qui vous oblige à tenir une position de froideur, dure et ferme, alors que ça ne vous correspond pas forcément et vous avez besoin de souplesse là. Vous avez besoin de lâcher ce qui vous
vous tend à du sérieux et à de la rigueur. Ok, on continue. Vous avez... Alors, l'imagination à l'envers. Ok, d'accord, je vois. L'imagination à l'envers, ça veut dire que peut-être vous aviez rêvé une vie et que vous devez... la vie vous impose de voir les choses différemment. Ou alors, pas forcément sous votre propre point de vue. Ça vous oblige de prendre et d'écouter le point de vue des autres. Vous avez le courage. Vous avez la lithothérapie. Et vous avez le calme, voilà, c'est ça. Vous aspirez à ça, hein. Vous avez besoin de souffler, là. Vous avez besoin de prendre un peu le large sur une situation ou avec une personne, mais je pense que c'est plus une situation ici. Vous avez dû, pour mener quelque chose que vous avez à terminer ici, ça vous a demandé justement beaucoup de courage, de ténacité, de résistance. Vous avez dû mettre de côté certaines choses qui concernent vos rêves. Vous avez besoin maintenant d'un retour au calme. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et vous le trouverez parce que vous avez la tempérance et la paix intérieure ici. Alors peut-être que les pierres peuvent vous aider, hein, la lithothérapie. Donc c'est toutes les cristaux de roche, ce genre de pierres là, hein, tout ce que j'ai ici, vous voyez, ça c'est quelque chose qui peut vous aider selon la manière dont vous êtes affecté dans cette histoire, hein. Certaines pierres auront plus d'impact sur vous que d'autres, aussi en rapport avec votre tempérament habituel. Donc voilà, on vous dit de vous pencher peut-être sur de ne pas, si vous avez des pierres, de ne pas hésiter à porter des pierres ou d'avoir des pierres dans votre environnement, dans votre bureau, dans votre lieu de vie, voilà, pour capter un peu les énergies négatives ou les énergies de lourdeur, hein, qui peuvent vous peser. Si ça fait des semaines, des mois que vous êtes dans votre bureau, par exemple, s'il s'agit d'un litige au niveau du travail et qu'il y a une énergie latente là, d'agressivité ou d'oppression qui règne dans votre bureau, eh bien, votre atmosphère, ce que vous respirez, est chargée de ces énergies négatives. Et donc, même si vous arrivez à vous ressourcer à l'extérieur, dès que vous revenez dans cette pièce, vous reprenez ces charges négatives, voilà. Donc il peut y avoir un nettoyage à faire, donc vous avez deux conseils cette semaine, hein, la lithothérapie si vous pouvez, les pierres et les sons de guérison, hein. Ça peut être aussi bol tibétain, la musique simple, quelque chose, un album que vous aimez, ou les fréquences de guérison sur YouTube. Ok, donc je pense que vous terminez une phase, hein, qui était de résistance ici, quelque chose qui a été lourd, quelque chose qui était écrasant, ça vous a attristé parce qu'une partie de vos rêves est peut-être partie, a dû peut-être soit s'effondrer, soit être mis en suspens en attendant de régler cette affaire, mais je pense que vous avez du soutien de personnes qui vous comprennent. Parce que vous êtes quand même, la relation est quand même entourée ici de deux guides, hein, entre la tempérance et le pape. Je pense que vous arrivez à vous soulager, à conclure quelque chose et à conclure même pour certains de manière officielle, hein. Donc ça peut être soit un contrat, une signature d'engagement, une proposition de mariage, comme je vous ai dit, comme ça peut être la fin d'une relation, mais c'est pareil, ça vous enlève un poids quand même. La fin, l'officialisation ici, vous avez vous fait retrouver un équilibre, une stabilité, une sérénité. Et vous pourrez, alors vous n'aurez pas pour autant une chute de courage, mais au contraire, vous pourrez utiliser maintenant votre courage pour des choses qui vous sciaient le plus, que vous espérez plus, hein, et dans ce cas, on va revenir, cette carte d'imagination va revenir à l'endroit, et vous aurez la possibilité de vous prendre une partie d'évasion, de mettre en place ce que votre imaginaire désire. Ouais, donc je pense que ça a été bloqué un temps et que pour le coup, en clôturant cette semaine, vous pourrez ensuite revenir sur vos désirs, sur vos rêves, sur ce que vous avez dû geler un peu, hein, cette histoire d'être gelé. Ça n'est pas totalement anéanti, mais il y a quelque chose qui a été gelé.
On vous dit, permettez-vous hein, aussi de rêver, hein, de faire. Ne restez pas dans cette rigueur de la reine d'épée, avec du sérieux, de la rigueur, un travail forcené, être obligé de tenir debout et de ne pas s'effondrer, de ne pas montrer ses faiblesses. On vous dit aussi, permettez-vous d'accepter vos faiblesses. Si vous avez été fatigué et éreinté par cette procédure, par cette histoire, prenez du temps pour vous décontracter. Prenez un bain d'huile essentielle, prenez un bain avec du gros sel. Si vous avez besoin de vous faire chouchouter, offrez-vous un massage. Mettez de l'encens chez vous. Allez vous faire coiffer, vous faire. Occupez-vous de vous. Ne vous mettez plus en retrait, en deuxième plan, voire en dixième plan. Permettez-vous de reprendre vos rêves et de vous occuper de vous accorder de la douceur. N'oubliez pas votre part de yin. Vous avez le droit d'avoir des faiblesses, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de vous occuper de vous. Voilà. Prenez cette partie de légèreté. Ok? Bon, je pense que vous aurez une bonne vitalité cette semaine parce que le courage est quand même présent avec la tempérance dessus. Ça veut dire que même quand si vous avez des pertes de vitalité, vous aurez un sommeil réparateur qui vous permet le lendemain de reprendre à bras le corps les choses que vous avez à régler. Le courage est là. Hein, vous n'êtes, il n'y a pas d'anéantissement ici. On a la lithothérapie sur les amoureux. Donc peut-être mettre une pierre de litho sur votre table de chevet ou sur l'espace dans lequel vous êtes à deux ou que dans l'espace où vous êtes à plusieurs, une pierre pour faire régner l'harmonie. Le cristal de roche est sans contexte la pierre universelle pour apporter la paix, mais vous avez aussi le quartz rose qui adoucit toutes les pierres roses qui sont liées à l'émotionnel et au cœur hein, pour adoucir les communications, les choses comme ça. Vous avez les pierres vertes également qui sont très bien pour les réparations émotionnelles, pour la bonne communication. Bien que je pense que la communication est ouverte ici, un peu métallique par moment, mais la communication est ouverte. Donc je pense qu'il y a besoin plus d'un apaisement au niveau émotionnel. Dirigez-vous soit sur le cristal de roche. Alors, il y a tout un tas d'autres pierres, hein, s'il y en a d'autres qui vous plaisent plus. Ne vous limitez pas à ce que je vous dis. Le cristal de roche, les pierres roses ou les pierres vertes pour les guérisons émotionnelles. Alors pour le bien-être en famille ou la bonne communication avec vos proches, il y a aussi le romarin à faire brûler ou comme la sauge par exemple, hein, plutôt au niveau familial, pour qu'il y ait une bonne entente au niveau familial et une prospérité qui s'installe, le romarin est très bien. Ok. Et donc ici, il y a un guide qui vous apporte la sérénité. Donc ça peut être aussi des vidéos hein, d'apaisement ou de méditation sur YouTube. Ça peut être également une bonne nouvelle de notaire ou d'avocat qui vous apporte ici, qui vous permettent de vous réaligner et de vous dire ça y est. Donc soit vous vous engagez, soit vous vous désengagez, mais en tout cas vous retrouvez un équilibre et une sérénité. Hein. Il y a deux fois l'équilibre. Ok, vous reprenez votre pouvoir. Hein. J'ai vraiment cette histoire de l'impératrice ici qui a son pouvoir créateur. Donc vous avez encore le pouvoir de refaire naître vos rêves, hein, peut-être dans des conditions différentes de ce que vous aviez imaginé. Mais voilà, vous êtes amené à plus de sérénité, à plus de stabilité et d'équilibre durant pour cette semaine. En tout cas, vous travaillez pour ça. Pour les béliers. Vous avez le bouquet et la lune. Alors voilà, ouais. Donc il y a un épanouissement qui revient dans vos émotions, dans votre reconnaissance de mère aussi peut-être. Il y a un meilleur sommeil, peut-être des rêves même qui vous font espérer à revenir à de bonnes concrétisations.
Le bouquet ici, c'est une surprise qui vient à vous. C'est une surprise, c'est un cadeau, c'est une invitation. Ça peut être une soirée entre filles, par exemple, ou une journée entre filles. Ça peut être un cadeau d'une maman ou pour une maman. On parle des femmes, hein. Ici, c'est beaucoup la beauté. Vous voyez, je lui dis, prenez soin de vous, prenez le temps de vous chouchouter. Voilà, il y a de ça. Donc, ça vous fera beaucoup de bien ici. Il y a quelque chose qui vient gonfler votre émotionnel, gonfler votre cœur de manière favorable, de manière douce. Il y a une bonne nouvelle qui vient à vous là. Hein? Ça peut concerner votre rôle de mère, ça peut concerner votre réputation. En tout cas, ça adoucit les mœurs, vraiment. S'il y avait une agitation au niveau de votre émotionnel, de votre sensibilité aussi, eh bien, il y a un redout ici. Il y a quelque chose qui vient non seulement d'une part vous adoucir les remous, mais aussi vous faire gonfler le cœur de bonheur. Ok, il y a peut-être aussi le besoin de retrouver sa féminité pour certains. Non, pour les femmes, ça sera retrouver sa féminité, d'avoir envie de changer sa garde-robe ou d'être plus coquette, peu importe, de se maquiller. Pour un homme, c'est de retrouver la compréhension de la femme. Voilà, peut-être que ça vous arrive de dire je ne comprends pas les femmes, je ne comprends pas. Et là, il y a quelque chose, un élément qui fait que non seulement vous comprenez les femmes, mais leur partie yin vous parle complètement. Hein, vous avez envie de la cajoler, de la protéger, ou bien vous recevez cet amour de la femme qui vous fait croire. Espérer vivre vraiment ce qu'est la complémentarité entre l'homme et la femme, entre le yin et le yang. Et 5, du coup, ouais, vous reconstruisez ici, hein, il y a une énergie de santé qui revient et il y a une énergie de reconstruction aussi. Donc que ce soit individuellement, que ce soit en couple, que ce soit mère-enfant, il y a quelque chose qui se consolide, hein, qui se construit. Alors, pour les béliers, sur la semaine du 28 février au 6 mars, s'il vous plaît. Voilà, on a le volcan en éruption, donc c'est vraiment ici le fait de laisser sortir la soupape, de laisser sortir tout ce qui comprime à l'intérieur. Tout ce que vous n'aviez pas pu dire avant, tout ce que vous gardiez en vous et qui vous causait des remous, des craintes, des angoisses, cette lourdeur à l'intérieur, et bien vous lâchez la pression. Il y a vraiment quelque chose qui se soulage pour vous cette semaine, hein, ami des signes de feu. Voilà, c'est faire sortir. Alors ça peut être crever l'abcès, mais je pense que c'est plus quelque chose que vous gardiez en vous, dans la résistance. Hein, ça va avec la résistance aussi. Hein, pour tenir bon, vous étiez peut-être obligé de garder une colère en vous ou une rancune, une amertume. Sauf que ces énergies sont néfastes, surtout si elles ne circulent pas. Si vous les gardez en vous, à un moment, ça peut même avoir une action sur votre état psychologique et sur votre état de santé. Voilà, et donc vous arrivez à évacuer là. Voilà, retenez juste, vous arrivez à évacuer. Pour les lions, vous avez de très bonnes nouvelles cette semaine. Donc vous avez la lanterne et les étoiles. Donc vous apprenez beaucoup de choses par rapport soit au réseau amical, soit par internet, soit par mail. Il y a plusieurs informations qui viennent à vous cette semaine et quand vous les recoupez toutes, vous arrivez à trouver des solutions. Hein. J'ai vu que vous aviez peut-être des décisions à prendre, vous avez un équilibre à trouver, vous avez une sérénité, un calme à retrouver, vous attendez la finalité de quelque chose, eh bien vous avez des bonnes nouvelles cette semaine. Ce qui vient à vous vous permet là encore une libération. Vous aurez l'impression que vos prières ont été exaucées. En tout cas, vous pouvez agir, vous pouvez être certain d'agir dans la bonne direction parce que là encore, la carte des étoiles est un guide, ce qui veut dire que vous avez trois guides pour vous cette semaine, trois
Donc, les guides, ça peut être votre intuition, ça peut être les synchronicités, c'est-à-dire que les situations se présentent à vous sans que vous ayez eu à quelque chose, sans que ça soit de votre propre démarche. OK? Donc là, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de réponses qui vous sont apportées. Il y a des soutiens également, hein, que ce soit par la communication, que ce soit par venir vous filer un coup de main, ou quelqu'un qui sent que vous n'allez pas bien, qui vous propose de boire un café. Enfin voilà, il y a beaucoup de lumière autour de vous, beaucoup de réponses, peut-être des éclairs de génie qui vous arrivent aussi, quelque chose que vous aviez en tête pourtant et qui n'arrivait pas à percer. Eh bien là, vous allez vous dire, Eureka, bon sang, mais c'est bien sûr. Alors ça me dit ici que ça peut passer ça par la radio, par les ondes, par les ondes. Donc la radio, c'est peut-être une information même à l'actualité, peu importe. Mais vous avez des éclaircies qui viennent, vous avez des informations, vous avez des champs qui s'ouvrent, vous trouvez des clés, des solutions, et en tout cas, soyez sûr que vous êtes guidé dans la bonne direction. Le conseil serait ici bien de prendre en considération les informations qui vous sont transmises. Hein? Mais je pense que vous saurez les cibler, vous ne pouvez pas les rater là en fait. Vous ne pouvez pas les rater. Beaucoup de bleu pour vous, hein? Donc surtout n'hésitez pas dans la communication. Alors il y a les informations qui vous viennent, mais vous aussi posez des questions, ouvrez-vous à la communication. Aller vers les autres. Il y a beaucoup de bleu, ça veut dire qu'au niveau du chakra de la gorge, là, il y a des choses qui ont besoin de s'exprimer. On entend, mais il faut aussi dire les choses. Ok, un petit dé pour vous, un million. Semaine du 28 février au 6 mars. Tac, 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 tac. Pour certains, vous préparez peut-être un départ. On a un lit. On a un lit ici sur ce dé, un lit qui est parfaitement au carré. Donc, je ne pense pas que vous vous couchez, je ne pense pas qu'il est question de repos, bien que profitez quand même de périodes de repos tant que faire se peut. Mais c'est surtout le fait ici, je pense que vous bouclez quelque chose. Vous terminez quelque chose et vous vous apprêtez à aller sur un nouveau départ. Hein, vous vous assurez que tout est bien carré pour un départ. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de quitter une entreprise, de changer de voie professionnelle. Et vous vous assurez que tout est carré, cadré, même si vous avez à transmettre quelque chose, eh bien vous vous assurez que tout est en ordre, qu'il n'y a pas de vice de procédure, de saleté, de crasse, peu importe. Voilà, donc pour certains, ça peut être tout simplement de changer la literie ou de refaire la chambre, bien que je n'ai pas de carte de rénovation ou de construction ici. Donc pour moi, je reste sur la première idée, le fait de boucler, de cloisonner quelque chose pour un nouveau départ. Peut-être que vous recevez chez vous cette semaine une personne que vous n'aviez pas vue depuis un certain temps. Ok, pour les Sagittaires cette semaine, oh ben là c'est jaune-orange, hein, là c'est plus bleu du tout. Vous avez le Mont et le Renard. Donc, il peut y avoir pour certains des problèmes, des blocages au travail. Pour d'autres, on peut vous demander d'agir avec stratégie pour faire face à un problème, d'user de finesse, de discrétion, de vous faire petit peut-être. Hein? Il y a peut-être une accusation ou quelque chose qui vient ici bloquer une avancée, l'avancée d'un projet ou de votre avancée dans le travail. Et on vous demande ici d'être finaud, hein? Hein? Rusé. Alors attention, restez dans le bon sens du terme rusé. Rusé, c'est pas gruger. C'est agir avec finesse, avec stratégie, avec peut-être un soupçon de suspicion aussi, de rester aux aguets. Vous hein, voyez?
Ne cherchez pas à rentrer dans le lard si vous êtes face à un mur, là, parce que vous allez vous faire mal. On me dit plutôt attendez le moment propice, parce que les choses se règlent hein, quand même pour vous ici. Hein. Mais justement, on vous dit d'agir dans la sérénité et avec un côté stratège. Par ce biais, vous arriverez peut-être à contourner le problème, ou à le défaire, ou à le déléguer peut-être. Alors, on a 35, 35 avec l'encre. Oui, ça peut être quelque chose qui... 35, attendez, je regarde le calcul que ça donne. 35, c'est l'encre. Hein. C'est ça. Donc, si vous... C'est-à-dire que si vous agissez avec... Si vous essayez de gruger quelqu'un, c'est-à-dire que vous utilisez la ruse dans son mauvais terme, vous allez alourdir le problème. C'est quelque chose qui va être encore plus lourd et encore plus pesant. Si vous agissez avec stratégie, vous avez les moyens de contourner la situation, le problème, et vous avez les moyens d'ancrer votre position, d'ancrer votre défense. C'est vraiment très très subtil, hein. Ou alors, ça peut être le fait d'arriver à dénouer une problématique, quelque chose qui a été lourd et qui a duré longtemps, qui traîne depuis longtemps, et vous arrivez enfin à trouver, encore une fois, cet éclair de génie pour casser pour abattre les montagnes, pour lever les freins. Alors, on va rajouter un dé pour les Sagittaires du 28 février, capitaine, hein, vous voyez, peut-être que vous, le capitaine ici, capitaine des pirates, hein, donc ça, il agit quand même pas toujours avec les valeurs. Donc il y a peut-être quelque chose d'ancien ici que vous avez fait qui n'était pas totalement légal, totalement droit, qui puisse vous revenir en boomerang ici où vous avez des explications à donner. Alors ici, ça me fait penser à la reine de bâton, ici, qui a des idées très arrêtées. Ne restez pas bloqués, cherchez la rondeur, cherchez la conciliation. Ne restez pas forcément sur des positions qui pourraient vous entraîner vers des préjudices qui seraient plus lourds. Ok. Voilà pour vous, amis des signes de feu pour cette semaine, première semaine du mois de mars. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!